Dans la dernière émission, nous recevions Cécile Duflo, secrétaire nationale des Verts, et Alexandra, jeune participante à Questions de Génération, pas très convaincue par son discours, lui demandait justement des arguments pour adhérer à sa cause. Bon, c'est vrai qu'Alexandra, elle partait de loin niveau écologie, mais on revoit la réaction de Cécile Duflo. Ton truc, c'est de polluer, toi? Ah non, je pollue pas du tout, j'utilise les transports en commun, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je me dis complètement pas du tout écolo, je me sens pas du tout concernée. Est-ce que vous, concrètement, moi, vous pouvez me convaincre et faire en sorte que moi, demain, je vote pour les Verts? Vous avez compris, elle veut détruire la planète, Alexandra. Est-ce que Alexandra, elle veut bien laisser son mail et qu'on discute après pour de vrai? Parce que je veux bien faire comme si on faisait genre à la télé, mais là... Oui, ça me fait vraiment très plaisir. Et elle fait campagne avec nous dans quelques semaines. Cécile Duflo. Carrément campagne, ben chiche alors. Dis donc, Cécile Duflo, elle veut pas faire semblant devant les caméras, ben alors après l'émission, on lui a donné le mail d'Alexandra. Et un mois plus tard, dans une séance de travail, eh ben on est retourné voir Alexandra pour savoir si elle avait eu des nouvelles de Cécile Duflo. Est-ce que tu as eu, depuis, une réponse de Cécile Duflo ? Je n'ai reçu aucun email. T'as pas reçu de mail de Cécile Duflo ? Parce que je veux bien faire comme si on faisait genre à la télé, mais... Non, bien sûr, pas de démagogie, n'empêche que Cécile, le mail, on l'attend toujours. C'est vrai que là, je suis vraiment clairement très 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 déçue. J'attends toujours le mail. Allez Cécile, on reste pas là-dessus, on sait que vous êtes une femme de parole, on vous laisse encore quelques jours. Chiche ? Et elle fait campagne avec nous dans quelques semaines. Cécile Duflo, c'est terminé du débat, mais c'est pas tout à fait...